Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu, aujourd'hui, j'ai déballé à nouveau des... Oh, pardon, j'ai le hoquet. Un nouveau DP pour vous montrer comment on se sert donc de la règle que j'avais eue il n'y a pas longtemps. Ce DP... Je l'avais eu avec la boutique Craft Art Club. Donc, vous reconnaissez pour celles qui font du coloriage. C'est un dessin d'Emmanuel Collin. Voilà. Donc, là, ce sont avec des perles rondes. Donc, c'est ce qui va aller ici avec la règle. Donc, j'ai essayé un petit peu déjà avant. Voir que ça fonctionnait bien avant de faire la vidéo. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Alors, je vois... Alors, ici, je... Alors, je vais essayer de vous montrer... Parce que je me demandais justement... Arrivé là, je me disais, il va y avoir un problème, il y a la règle. Mais je vois qu'il y a un petit ciseau. Alors, vous voyez, là. Donc, ça fait qu'on peut couper cette partie-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai essayé, ça ne veut pas. Donc, bon, on va laisser comme ça, ce n'est pas un, c'est pas un problème. On va pas abîmer la règle parce que au contraire tout se plier au lieu de se couper la fifi comme d'habitude. Donc là j'ai mis mes perles dans un petit comme ça puisque mes valisettes sont prises par les perles pour les grandes épées. J'ai comme d'habitude mis mon petit sticker au milieu de mon papier transparent pour connaître le recto du verso de mon papier. Fifi, ça... Alors, je vais bien me régler avec le téléphone. Voilà. Alors, vous voyez déjà la première partie. C'est déjà bien régulier. Fifi, s'il te plaît. Merci. Alors, on va déjà faire la partie en bas, en dessous. Hop. Voilà. Là, j'ai pas mis ma table de... Ma table d'éclairage. Hein. C'est pas la peine. Et puis j'ai pris juste un stylet tout simple. Alors là on fait du J, donc le J c'est le 20. Voilà, je vais mettre mes perles là. Et je commence à en perdre. Donc voilà, je me présente bien. Hop, voyez. Et je n'ai plus qu'à y mettre mes perles, l'une après l'autre. Voilà. Hop. Voilà.
Non, on va voir s'il y a un petit décalage hein, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je n'espère pas. Donc ça vous permet de faire vos perles ben, droites. Hein. Elles ont toujours le même écart tout autour. J'ai peur d'avoir fait un tout petit décalage, d'avoir pas bien mis les premières, mais bon, on verra bien. C'est un petit coup à prendre hein, au début. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous, vous utilisez ce genre de petites règles. Ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vite abandonné l'idée? Ou est-ce que vous vous en servez régulièrement? Hop, je me colle les doigts. Et du coup, c'est assez régulier quand même, hein, là. Non, c'est pas un J, là, je crois. Mince. Je ne sais plus l'enlever. J'ai pas ma pince. Non, c'était pas un J. J'ai pas sorti tous mes ma boîte d'outils, donc j'ai pas tout sous la main. Bien remettre. Ah, il y en a encore un là. Alors après, il me faut les 7. Ben, le 7, c'est le 7. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, même si on change de couleur, bon, mais il n'y a pas de problème. Hein. On reste, on laisse notre règle et on fait notre changement de couleur.
et le 4. Donc là, il m'en faut qu'une. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième carré. Alors par contre, j'appuie pour bien enlever. Ouais, j'ai un tout petit décalage là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On ne voit pas. Et voilà, mon deuxième carré. Alors, si on veut continuer ici, bon, comme je n'ai pas su enlever, je le ferai demain avec une pince coupante, cette partie-là, vous voyez. Là, on le voit bien, le petit ciseau. Mais je le ferai avec une pince coupante parce que là, avec le ciseau, il n'y a pas moyen. Donc, on va faire ici, mais... Alors, attendez. Non, plutôt là-haut. Voilà. Donc, il y aura une ligne qui ne sera pas faite, que je ferai à la main. Voilà. Donc on va faire ici. J'espère que vous voyez bien. Donc la ligne qui est entre les deux, je vais la faire à la main, enfin à la main, façon de parler, sans la règle. Demain, je vais chercher la pince coupante dans la caisse à outils. Pour couper cette petite partie ici. Ah, ça va, bon, je suis pas déçue hein, par ce petit gadget. Voilà.
Allez, on va faire le J. Voilà. Et on va faire une petite ligne de F pour terminer ce petit carré. Et je pense que vous aurez compris le système. Allez, je suis gentil, je continue une ligne. Là, et on va faire la ligne qui manque ici. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc là, je vais faire la petite ligne qui manque. Donc, des J. Là, après, comme je vous dis, hein, je ferai la pince coupante. Ça fait que j'aurai plus besoin de faire des lignes à la. Toutes les lignes seront faites avec la règle. Mais là, comme la caisse à outils est dans la cabane, dans la cour, et que tout est fermé. Voilà. Et un petit 4. Hop, viens là, toi. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est régulier. On est tranquille. Hop, j'ai tombé mes perles, bien sûr. Voilà. Je vais continuer à en faire un petit peu. Je vais continuer un petit peu en musique. Et puis on se retrouvera rapidement donc pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce petit objet, hop, on va faire comme ça. Si vous avez des questions sur ce petit objet, ben n'hésitez pas. Je vais voir pour m'en prendre un pour les perles carrées, comme ça j'essaierai pour les perles carrées. Je vous dirai ce que j'en pense.
Et vous, bah, si vous l'avez, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà. Allez, je vous laisse continuer à visionner et moi, pendant ce temps-là, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Bon visionnage, ne partez pas tout de suite.